tout au ventre. Buonasera, Shadana Godata. Numele meu este Simona Zetea, sunt dască la Facultatea de Teologie și împreună cu colegul meu, Alin Tat, vă vom însoți de-a lungul întâlnirii din această seară. Le mulțumesc în numele, mulțumesc în numele organizatorilor, Episcopia de Cluj-Gherla și Facultatea de Teologie Greco-Catolică, sorei Natalie Becar, pentru deschiderea cu care a răspuns invitației noastre de a ne împărtăși ceva din experiența sa în domeniul sinodalității. Dar ce este aceasta? O nouă temă la modă, care va dispărea așa cum a apărut? Un subiect care privește exclusiv cercurile teologice? O idee de a papei ce se va pierde într-un document oficial? Sinodalitatea, ca mod de a fi al bisericii, este visul papei Francisc, sau cu o expresie puternică pe care a folosit-o în discursul de la aniversarea a 50 de ani de la instituirea Sinodului Episcopilor, drumul pe care Dumnezeu îl așteaptă de la Biserica Mileniului al III-lea. Un parcurs lung, așadar, care nu se epuizează nici pe departe în etapa eparhială de consultare pe tema convertirii sinodale a bisericii, pe care tocmai ne pregătim să o parcurgem. Un drum ce doar începe în perioada mai largă a desfășurării acestui sinod atât de diferit de cele precedente. Un sinod în care se va asculta glasul tuturor, pentru că felul în care imaginăm biserica viitorului ne privește pe toți. Mai mult, cu toții putem contribui la transformarea ei, rugându-ne pentru acest demers, împărtășindu-ne experiențele, exprimându-ne cu libertate speranțele și așteptările. Putem alege să stăm deoparte, ori să ne implicăm. Să spunem cu comoditate, lucrurile pot rămâne așa cum sunt. Sau, oricât de greu ar părea, să ne întrebăm unde ar fi ceva de schimbat, și ce am putea face personal, ori comunitar, pentru ca biserica noastră să fie mai după inima Domnului. Deoarece există, fără doar și poate, răni de vindecat, structuri de flexibilizat, perspective de îndreptat, pentru ca membrii bisericii să se perceapă în mod mai fratern, în primul rând între ei, iar apoi în raport cu ceilalți. Persoane marginalizate, membri altor confesiuni, cei care nu îmbrățișează credința. Sunt desigur și experiențe pozitive, de întărit, modele de urmat, bune practici de dezvoltat în acest mers împreună. Dar nu vom putea să nu ne întrebăm deopotrivă care sunt pașii la care ne cheamă încă Domnul pentru a înainta mai mult pe drumul sinodalității. Nu este un parcurs gata trasat. Poate nu ne este deplin clar unde va duce acest demers. Parafrazându-l pe Papa Ioan al XXIII-lea, inițiatorul Conciliului Vatican II, a zice, pentru cei poate ezitanți acum, cu toții suntem începători între ale sinodalității. Este urgent, deci, să ne punem sub ascultarea Spiritului Sfânt. Pentru aceasta, l-aș ruga pe episcopul nostru, Preasfinția sa Claudiu Lucian Pop, să invoce sprijinul pentru acest demers și pentru întâlnirea noastră. Aveți cuvântul. Aș vrea doar să mulțumesc tuturor celor prezenți, în primul rând distinsei oaspete de la Roma. Merci beaucoup, Sœur Nathalie, d'être avec vous. Aș vrea să le mulțumesc episcopilor prezenți, iubiților preoți din Episcopia de Cluj-Gherla sau de la Blaj sau din București sau ori de unde ar fi din Biserica Greco-Catolică, Romano-Catolică din România, surorilor și călugărilor prezenți, laicilor, tuturor celor interesați de acest drum sinodal. Mă bucur că suntem cumva o echipă, o comunitate de persoane care mergem împreună pe același drum, încercăm să o facem și în condițiile dificile
legate de pandemie, o facem online, dar în orice caz suntem împreună pe același drum, în mod spiritual, legat sufletește, încercând să discernem lumina Spiritului, la lumina Spiritului Sfânt, căile pe care avem de mers pe această, în această lume, pe urmele Mântuitorului. De aceea aș cere chiar ajutorul Spiritului Sfânt prin rugăciunea pe care Biserica ne-o pune la dispoziție atunci când începem Sfânta Liturghie și cu toții suntem datori să ne rugăm, să cerem o lumină pe care doar noi o avem. Fiecare dintre noi, Spiritul Sfânt ne luminează pe fiecare dintre noi pentru această cale sinodală, suntem un dar pentru biserica din care facem parte și doar punând împreună toate darurile, adică toți fiind împreună în biserică, părticica noastră devine parte a unui mozaic și biserica devine o icoană a lui Hristos plină de armonie. Doar dacă suntem cu toții parte a acestui mozaic, doar dacă aducem fiecare darul nostru, culoarea noastră, armonia noastră în biserică. La asta să ne inspire Spiritul Sfânt pentru acest drum sinodal. Împărate Ceresc, Mânghietorule, Spirit al Adevărului, care pretutindenea ești și toate le împlinești, Visteria Bunătăților și Dătătorile de Viață, vino și te așează întru noi și ne curățește de toată întinarea și mântuiește bunule sufletele noastre. Cu noi este Dumnezeu, cu al Său dar și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Zați, n-am putut să-mi activez microfonul în detaliu tehnic. Îi mulțumesc mult Preasfințitului Claudiu pentru rugăciune, cuvântul de bun venit și prezența sa în mijlocul nostru. Este acum timpul să o ascultăm pe sora Natalie Becar. Și la început vă propun o scurtă prezentare a invitatei noastre. Xaveriană, sora Natalie a studiat în domeniile economiei, managementului mai exact, filozofiei, teologiei, sociologiei, în instituții prestigioase din Franța. În cadrul unei specializări în ecleziologie, în Statele Unite, a întreprins o cercetare pe tema sinodalității. Dar competența sa în acest domeniu nu este exclusiv teoretică. Are o vastă experiență misionară. Dacă înainte de a intra în comunitate și-a consacrat un an voluntariatului în Liban, ulterior s-a dedicat însoțirii tineretului, cercetașilor, tinerilor ignațieni, studenților în țara sa natală. În acest context a fost numită în 2012 directoarea Serviciului Național pentru Evanghelizarea Tinerilor și pentru Vocații în cadrul Conferinței Episcopilor Francezi, mai apoi fiind implicată în acest domeniu și la nivel european. A participat la pregătirea Sinodului Episcopilor despre tineri, credință și discernământ vocațional, fiind ulterior prezentă la acesta ca auditoare. În 2019 a fost numită consultor al Secretariatului General al Sinodului. Actualmente este subsecretar a Sinodului Episcopilor. Prezența ei acolo, ca și misiunile încredințate anterior, sunt un semn al capacității bisericii de a-și înnoi structurile, integrând geniul feminin. Și apropo de acesta, sora Natalie este deopotrivă autoare a mai multor publicații, între care aș aminti Criza COVID, o chemare la a trăi ca biserică altminte, sau Spiritul care înnoiește totul, o pastorație pentru tineri împreună cu tinerii. Astăzi este în mijlocul nostru pentru a ne ajuta să înțelegem mai bine ce este această convertire sinodală la care este chemată biserica. Nădăjduiesc că prezentarea sa va putea suscita entuziasm în sânul comunităților noastre. Sœur Nathalie, nous sommes heureux de vous écouter.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Simona. Merci beaucoup, monseigneur Claudio Pop, que j'ai la joie de retrouver sur Zoom. Et merci à vous tous et toutes. C'est une joie d'être connectée ce soir depuis Rome avec toute cette belle communauté de l'Église grecque-catholique de Roumanie et à voir tous vos visages dans cette diversité de vocations. Je peux déjà sentir qu'on est en train de vivre quelque chose de cette dynamique synodale de l'Église. Et donc, je vous remercie encore pour toute cette organisation et votre invitation, parce que quand on est ici au service de la secrétariat général du synode, c'est vraiment être aussi au service des églises locales. Et avec le cardinal Grec, le secrétaire général, l'autre sous-secrétaire, Monseigneur Luis Marín de Saint-Martin, on a vraiment à cœur de tisser et de renforcer ce dialogue avec la diversité des églises locales. Donc ce soir, je suis très heureuse vraiment de vous rejoindre en Roumanie. Je suis désolée de ne pas pouvoir parler le roumain, mais je sais que beaucoup d'entre vous parlent français. J'ai eu la joie déjà de rencontrer en France ou ailleurs plusieurs responsables de l'église roumaine. Et je sais aussi combien vous êtes francophiles et francophones. Alors, je vais faire ma présentation avec un PowerPoint que je vais maintenant partager. Voilà. Donc, le thème de ce synode dans lequel nous sommes déjà tous rentrés, il a été ouvert le 9 et 10 octobre ici à Rome par le pape François et dans chacun de vos diocèses, normalement dans toutes les églises locales de par le monde. Il y a eu l'ouverture du synode dans chaque diocèse le 17 octobre. Et donc, nous vivons ce Zoom ce soir, alors que nous sommes déjà ensemble en chemin sur ce thème du synode, mais qui est plus qu'un thème pour une église synodale, communion, participation et mission. Voilà, ces trois mots-clés, communion, participation et mission, ils guident notre chemin synodal. Et j'espère que ce temps ensemble ce soir, qui sera aussi interactif, vous pourrez poser des questions, sera déjà pour nous une expérience de cette Église synodale. La première chose et le premier enjeu de ce synode, quand on parle de la synodalité, c'est vraiment l'écoute. Une Église synodale est une Église de l'écoute. Est-ce que vous voyez la deuxième slide? Je peux juste vérifier parce que parfois j'ai un problème. Est-ce que vous voyez est-ce que le PowerPoint a changé pour vous? On voit seulement la première page. OK, alors je vais le laisser comme ça parce que je ne sais pas pourquoi parfois j'ai des problèmes. Est-ce que là, vous voyez bien la diapo? Et maintenant, vous voyez la deuxième? C'est mieux, mais c'est toujours la première. Maintenant, c'est la deuxième. OK. Pour Nathalie, si vous êtes interrompue, je profite pour vous prier de parler plus rarement pour faciliter la traduction. Merci beaucoup. Plus lentement, d'accord, je vais essayer, excusez-moi. Donc, le premier point, c'est vraiment une église synodale est une église de l'écoute. Et ce parcours synodal, il a été vraiment conçu comme un parcours d'écoute mutuelle. Cette écoute mutuelle, elle vise et elle ne peut se faire que dans l'écoute de l'Esprit-Saint. C'est pourquoi il était très bon d'ouvrir ce temps, comme cela a été proposé par Monseigneur Claudio, d'ouvrir ce temps en invoquant l'Esprit-Saint, puisque c'est vraiment lui, finalement, le principal acteur du synode, c'est l'Esprit-Saint. Et devenir toujours davantage cette église de l'écoute, c'est apprendre chacun, chacune, mais aussi ensemble, en communauté, à écouter toujours davantage l'Esprit-Saint. Alors, je voudrais démarrer ce moment en vous écoutant. Voilà, je crois que c'est tout commence par l'écoute. C'est aussi ce que j'ai appris dans la pastorale, notamment dans la pastorale des jeunes. Et on évoquait, comme vous l'avez fait, le contexte difficile dans beaucoup de nos pays et actuellement en Roumanie, comme dans beaucoup d'endroits, de la pandémie, du problème du Covid, qui a renforcé la solitude de beaucoup, l'isolation, la difficulté, et il y a un très, très grand besoin d'écoute aujourd'hui.
Et donc, le synode, il vient renforcer et mettre en lumière cet enjeu de commencer vraiment par écouter et d'apprendre chacun, chacune à écouter toujours mieux les autres et l'Esprit-Saint. Alors, je veux démarrer ce temps en vous écoutant. Je vous propose, quand vous pensez au mot synodalité ou au mot synode, voilà, quel est le mot ou l'image que vous avez en tête ? Un mot, une image qui vous vient. Je vous propose de l'écrire dans le chat en roumain, en français ou en anglais, mais d'écrire chacun un mot, une image qui vous vient quand vous pensez à synodalité. Donc, vous pouvez utiliser le chat, voilà. Et je propose que le professeur Simona lise les mots en roumain ou en français. Pe același drum, fraternitate, rencontre, un grup, le pèlerinage, la siguette. Ensemble. Excusez-moi, diversité dans l'unité, une famille, cercle, unité, tous, j'ai perdu quelques-uns, l'intelligence d'écouter l'esprit, harmonie, égalité, amour, travail ensemble, un contexte romanesque. Se mai scrie încet, este dificil să nu ne gândim la sinodul Bisericii Ortodoxe. Humilité avec l'Esprit Saint, écouter, communion dans l'Esprit Saint, de nouveau ensemble, service encore, universalité, voyage, chemin ensemble, ça veut dire accueil, primir. Concile, communication, partage. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça nous donne déjà une idée. N'hésitez pas à continuer à écrire ce qui vous vient. Nous arrivons tous déjà avec sûrement une forme d'expérience de la synodalité. Et en particulier, on sait que vous, comme Église orientale gréco-catholique, vous avez aussi des structures et une expérience synodale. Certains évoquaient aussi le fait que vous vivez aussi au milieu de vos frères et sœurs orthodoxes qui ont aussi une expérience du synode, de la synodalité, certaines structures. Donc, nous arrivons chacun sur ce chemin avec déjà une vision. Je vais essayer ce soir de vous partager un peu plus la vision de ce synode convoqué par le pape François pour toute l'Église. Et après l'ouverture du synode, plusieurs théologiens qui ont participé ici à Rome à l'ouverture du synode, qui sont de la commission théologique, ont souligné, et je crois aussi que c'est ce que nous pouvons sentir, que le fait que l'Église entière est convoquée en synode, c'est ce qui est marqué dans le document préparatoire du synode. L'Église entière est convoquée en synode. Plusieurs théologiens ont souligné que c'est l'événement ecclésial, historique, le plus important depuis Vatican II. Pour la première fois en 2000 ans, le peuple de Dieu tout entier est impliqué. Et c'est donc tous les baptisés, toute la diversité de l'Église, la diversité dans les différents pays, dans les différentes cultures, mais aussi la diversité du peuple de Dieu à travers la diversité des vocations, des âges, des missions dans l'Église. Nous sommes tous appelés à participer à ce synode qui n'est pas sur un thème comme un autre. Vous savez que les deux derniers synodes, il y a eu les synodes sur la famille, voilà le thème de la famille, ensuite le synode sur les jeunes, ensuite le synode sur l'Amazonie. Là, ce synode sur la synodalité,
Il ne signifie pas se concentrer sur un thème comme tant d'autres, mais sur l'identité la plus profonde de l'Église comme communion et mission qui devient concrète et historiquement incisive lorsqu'elle est partagée par tous. Voilà, c'est un appel à ce que tous, et tous ceux qui sont ici, mais tous ceux qui sont dans vos communautés, dans votre Église catholique, se sentent vraiment acteurs, participants de la mission de l'Église pour servir leurs frères et sœurs, en particulier les plus pauvres et les plus loin. Et le logo du synode, que vous voyez ici en anglais, mais il a été décliné dans plusieurs langues, rend bien compte d'une certaine manière de ce qu'est cette dynamique synodale, un peuple en marche, un peuple de pèlerins missionnaires. Il y a au début les enfants, on voit une personne handicapée, un évêque avec sa crosse, des jeunes, des plus âgés, une religieuse, un couple. C'est cette diversité-là qui est poussée par l'Esprit-Saint, le principal acteur du synode, et c'est finalement ce que nous sommes appelés à vivre à travers ce synode, c'est à mettre en œuvre concrètement cette image, ce logo. C'est à vivre l'Église comme un peuple de pèlerins missionnaires en marche. Alors, pour entrer plus avant dans cette compréhension et cette appréhension de ce qu'est le synode, de ce qu'est la synodalité, de ce que nous sommes appelés à vivre ensemble, je vous propose maintenant une petite vidéo qui, grâce au travail des traducteurs, a été traduite en roumain. C'est une vidéo qui a été faite en anglais par un diocèse d'Inde, et qui explique très bien les enjeux de ce synode et le processus. Donc, j'espère que ça va marcher. Voilà, je vous la mets maintenant avec les sous-titres en roumain. Universal Church, in this synod on synodality. You matter. This is exactly the cry and belief of the Universal Church in this synod on synodality. Did you know that in October 2021, the entire church entered into a synod? Pope Francis opened the synod in Rome, and every diocese across the whole world was called to celebrate the opening of the synod at the local level. The theme for this synod is for a synodal church, communion, participation and mission. Don't worry if you've missed the beginning. We are here to help you catch up because this synod is going to be unlike any other. From 2021 to 2023, it will be a journey of sharing, reflecting and listening at all levels across the entire church. But hold on, let's not get ahead of ourselves. Let us first understand, what is a synod? A synod is a gathering, traditionally of bishops. The word synod comes from the Greek synhodos, meaning the same way or the same path. Synods were very common in the first centuries, giving bishops the opportunity to meet and discuss issues of importance for the life of the church. The institution of the synod of bishops was established by Paul VI on September 15, 1965, in keeping with the request of the fathers of the Second Vatican Council to maintain the collegial spirit fostered by the council. Since then, synods have been organized every 2 or 3 years, bringing together bishops, experts, and various delegates to discuss different topics. In each case, bishops vote on a final document. Then the Pope writes his own text called an apostolic exhortation to open new pathways and shed new light on what was discussed at the synod so that it can radiate across the entire church. So what is synodality? Synodality is about journeying together. This happens through listening to one another in order to hear what God is saying to all of us. It is realizing that the Holy Spirit can speak through anyone,
to help us walk forward together on our journey as the people of God. The point is not that we take 2 years to understand some new buzzword that will soon fade. Synodality is no passing phase. It is a call to be a new way of being church. In other words, it is walking together. The very heart of what the church is all about. St. John Chrysostom said that for him, church and synod were synonyms, since the church is all about walking together. In this sense, synodality is a way of renewing the church from her deepest roots in order to be more united with one another and better carry out our mission in the world. In simpler terms, a synodal church is a church that listens. As Pope Francis stated in the commemoration of the 50th anniversary of the institution of the Synod of Bishops, it is a mutual listening in which everyone has something to learn. The lay faithful, the bishops, the Pope, all listening to one another and all listening to the Holy Spirit, the Spirit of Truth, in order to know what He is saying to the Church. What's special about this synod on synodality? This synod is totally unprecedented for at least 3 reasons. It is no longer only a 1 month synod of bishops, but a 2 year synodal process for the entire people of God. All the baptized. All are invited and no one is to be left behind or excluded. It is a synod that aims on giving the entire church a lived experience of synodality. It's not just about filling in a questionnaire, but gathering the fruits of what the Holy Spirit is saying to us here and now. The aim of the synod is not just to talk about synodality, but to put synodality into practice, starting now, in every diocese, parish, and country across the whole world. This calls all of us, at every level of the church, to renew our way of being and working together, moving forward. So what can you do? Find out what's going on in your diocese and your parish to experience the synod at a local level. Each diocese is called to facilitate local synodal meetings to involve all the faithful in this journey undertaken by the entire church. Since the entire purpose of the synod is to listen to everyone, even children, trusting that the Holy Spirit can speak through anyone, let's start by truly listening to each other, especially those who are in the margins of our churches, who are forgotten, ignored, or not listened to. If you are an elder or a person in position, listen to those in your care. If you are a parent, hear what your children are trying to communicate to you. If you are a priest, pay attention to what your parishioners are voicing. If you are a superior in your community, listen to what the young ones are struggling with. Remember, if you want to be heard, you must also be willing to listen. And finally, pray for the whole church. Ask the Holy Spirit to inspire and lead us in this beautiful journey. Un synode, comme nous l'avons dit, une église synodale est une église de l'écoute et qui demande aussi de prendre du temps de silence pour écouter. Et dans le synode des évêques, depuis le synode des jeunes, après 5 interventions, le pape François a introduit un temps de silence, 4 minutes de silence, pour laisser résonner ce qu'on a entendu. Alors, je vais vous proposer aussi, ça fait partie de toutes nos rencontres de préparation du synode, nous donnons toujours un petit temps de silence. Donc, je vous propose maintenant de prendre 1 minute de silence, 1 minute, je vais chronométrer, et de réfléchir après cette vidéo, ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu de cette vidéo. Voilà, dans ce temps de silence, laissez résonner ce que vous avez vu. Et je vous inviterai à la fin de la minute de silence à écrire dans le chat ce que vous retenez de plus important pour vivre ce synode
pour vous, pour votre Église. Donc, nous prenons maintenant une minute de silence. Je vous invite maintenant à écrire dans le chat, après cette minute de silence, le mot qui vous vient, ce que vous gardez de cette, après cette première présentation sur la vidéo. Voilà, un mot, un appel, quelque chose que vous gardez. Voilà, et vous pouvez lire les uns les autres dans le chat. On ne va pas les lire par oral, mais on garde ça et on pourra l'enregistrer aussi, le sauvegarder. Je reviens sur mon PowerPoint. Je vais essayer de mettre le plein écran. Le problème, c'est que j'ai l'impression que ma diapo ne change pas. Est-ce que vous voyez la nouvelle diapo ? En parler, c'est bien. Le vivre, c'est mieux. Ou est-ce que je suis toujours sur la slide de la vidéo ? Vous êtes toujours sur la slide de la vidéo. Voilà, c'est pour ça. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Je suis obligée de faire comme ça. Je suis désolée parce D'accord. que la présentation full screen ne marche pas. Je sais pas D'accord. pourquoi. Très bien, c'est parfait voilà. comme ça. Merci beaucoup. Voilà, vous voyez pourquoi je vous propose aussi ce temps de rencontre ce soir dans une modalité, j'essaye dans un style synodal, parce que pour vraiment entrer dans le synode, découvrir la synodalité, il ne suffit pas d'en parler. C'est important et je le fais, je fais beaucoup de présentations, de webinars, mais l'enjeu, c'est vraiment de le vivre. Voilà, parler de la synodalité ou du synode, c'est bien, le vivre, c'est mieux. Et c'est vraiment ce qu'on a compris dans les deux synodes précédents à travers l'expérience de la synodalité, notamment au synode des jeunes que j'ai eu la chance de vivre comme auditrice. On a vraiment expérimenté avec les jeunes qui étaient présents que la seule manière de vivre et de transmettre la foi aujourd'hui, c'est à travers ce style synodal. C'est à travers ce qu'on a appelé la synodalité missionnaire, c'est-à-dire que pour l'Église, pour être fidèle à la mission de l'Église depuis l'origine, mais dans le contexte actuel, dans le monde que nous vivons, marqué par la pandémie, marqué par les inégalités, marqué par une grande fragmentation, un monde qui change aussi très vite, la manière d'être l'Église aujourd'hui, c'est la synodalité. Et les synodes précédents nous ont fait comprendre que la synodalité est vraiment l'appel de Dieu pour l'Église d'aujourd'hui. Le pape François l'exprime ainsi, la synodalité est la manière d'être une Église aujourd'hui selon la volonté de Dieu, dans une dynamique d'écoute et de discernement de l'Esprit-Saint. La synodalité, c'est un appel de Dieu, c'est la vocation de l'Église pour être fidèle à la nature même de l'Église depuis l'origine dans le monde d'aujourd'hui. On peut dire que c'est la vocation de l'Église pour ce temps historique. On peut avoir foi que Dieu va nous donner la grâce de mettre en œuvre et de vivre cette vocation synodale de l'Église. La synodalité exprime la nature de l'Église, sa forme, son style, sa mission. C'est une dimension constitutive de l'Église. La synodalité, elle est enracinée dans le mystère de la Trinité. Et c'est ce que parfois nos frères orthodoxes ont plus
garder une vision très trinitaire que nous redécouvrons aussi davantage aujourd'hui comme catholiques, comme un fruit de Vatican II, on peut se rappeler, mais qui était déjà à l'origine de l'Église, on peut se rappeler que le premier chapitre de Lumen Gentium, la constitution sur l'Église, qui est sur le mystère de l'Église, nous met bien en lumière que ce mystère de l'Église est enraciné, fondé dans le mystère trinitaire. Et vous voyez comment les trois mots-clés du synode, communion, participation, mission, ils nous relient, ils sont une manière de vivre l'Église reflet de ce qu'est la Trinité. C'est-à-dire de vivre l'Église avec cette manière d'être et de vivre la mission. Nous sommes Église tous ensemble, une Église où tous sont sujets, protagonistes. Personne ne peut être considéré comme un simple figurant. Même les enfants, l'Esprit Saint parle en eux et nous avons à les écouter. Toutes les voix comptent. L'Église synodale, c'est cette Église qui prend en compte le fait que l'Esprit Saint souffle en chacun. Et donc, nous vivons aujourd'hui cet appel à une conversion synodale de toute l'Église comme une compréhension de l'ecclésiologie synodale qui est mise en lumière aujourd'hui par le pape François, mais qui en fait est vraiment enracinée dans le Concile Vatican II. C'est l'ecclésiologie du peuple de Dieu, tel que le logo du synode essaye de le montrer. Donc l'enjeu, à travers cette vision de l'Église, qui est d'abord une communauté en marche, ce qui nous est en commun par le baptême est plus important que nos différences de statut, de vocation, d'âge, parce que nous croyons, comme le Lumen Gentium le rappelle, que l'ensemble des baptisés sont sujets de ce qu'on appelle le sensus fidei fidelium. L'Esprit Saint leur est donné. Il y a une forme d'infaillibilité, in credendo, c'est-à-dire qu'il y a une forme de vérité qui est donnée à l'ensemble du peuple de Dieu qui reçoit l'Esprit Saint. Et donc, marcher ensemble à travers ce synode, comme le pape François nous le propose, c'est redécouvrir l'horizontalité plutôt que la verticalité. L'Église synodale que nous sommes appelés à vivre aujourd'hui, c'est vraiment à trouver une nouvelle manière d'articuler les trois dimensions très importantes qui structurent l'Église. Il y a un principe hiérarchique depuis l'origine, il y a la primauté du pape, mais qui est appelée à s'exercer d'une nouvelle manière à travers, depuis Vatican II, la collégialité de l'ensemble des évêques et la synodalité de l'ensemble du peuple de Dieu. Et si vous voyez cette image du Concile Vatican I, on voit qu'à travers toute l'histoire, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais nous a amené au Concile Vatican I à penser d'abord l'Église beaucoup plus d'une manière hiérarchique, avec l'Esprit Saint qui parle principalement dans la primauté du pape. Mais à travers la vision synodale, qui n'enlève pas la primauté du pape, nous redécouvrons que l'Église, elle est d'abord, comme cette photo l'exprime, une photo du synode des jeunes, lors d'une pause, où vous voyez le pape au milieu d'un évêque, d'un cardinal, de jeunes, laïcs. C'est ça l'Église synodale, c'est vivre et trouver le style de la fraternité. Je dis souvent, la synodalité, ça commence autour d'un café, d'un thé, d'une boisson, autour d'un repas. C'est ce style de la fraternité où, avant nos différences, nous sommes tous, comme baptisés, des frères et sœurs en Christ. Et c'est cela que nous avons à vivre et à redécouvrir, en redécouvrant que la vie est un cheminement communautaire. Et que avant d'être, nous avons d'abord ce fondement commun d'être des baptisés qui marchent ensemble. Ce qui n'enlève pas
les différences. Donc, vous voyez que le but du synode, c'est vraiment de cheminer ensemble et d'apprendre, puisque d'une certaine manière, nous sommes en réapprentissage de la synodalité, qui était le style de l'Église des origines, mais que pour tout un tas de raisons historiques, nous avons un peu perdu en mettant beaucoup plus l'accent sur une vision pyramidale, juridique de l'Église vue comme une société parfaite. Et aujourd'hui, dans cette étape de la réception de Vatican II, nous comprenons que nous avons à vivre l'Église comme étant vraiment tous ensemble cette communauté qui est dans une même barque pour servir l'unique famille humaine. Et le document préparatoire commence par une lecture des signes des temps à la lumière de l'Évangile. C'est ça la manière de vivre le parcours synodal. C'est, on ne vit pas le synode ou l'Église sur la Lune ou au XVIIIe siècle. On le vit aujourd'hui dans un contexte social, historique précis. Le chemin synodal se déroule au sein d'un contexte historique marqué par des changements majeurs dans la société et par une étape cruciale dans la vie de l'Église. Nous sommes dans ce monde qui change et l'Église est appelée aussi à changer. Ce synode, il a pour but de nous aider à vivre l'Église dans ce nouveau style parce que nous avons compris que dans le contexte actuel, la synodalité constitue la voie royale pour l'Église, pour imaginer un futur différent pour l'Église, mais pas seulement pour l'Église, pour être surtout comme Église, ce signe prophétique pour une famille humaine qui a besoin d'un projet commun. Et vous le savez, nos sociétés sont tiraillées, divisées, plus que jamais nous avons besoin d'un projet commun. Donc l'enjeu de ce synode et ce que je vous souhaite à vous tous en Roumanie, comme Église grecque catholique, mais à chacun de vous, c'est vraiment de vivre une nouvelle Pentecôte. Le synode, nous a dit le pape François, est et doit être un événement de grâce qui nous donne un nouvel élan. Et je peux dire, pour avoir expérimenté moi-même cette synodalité à travers le synode des jeunes, nous sommes tous sortis du synode des jeunes avec les pères synodaux, les jeunes qui étaient là, avec une telle joie, un tel élan missionnaire, nous avons vécu une expérience tellement forte et profonde que nous ne pouvions pas la garder pour nous. Et le désir, c'est que cette synodalité qui vraiment nous donne la joie de l'Évangile, qui est une expérience de résurrection, de réconciliation, une expérience missionnaire, elle puisse être partagée aujourd'hui par vous tous et par l'ensemble du peuple de Dieu. Donc, c'est ce chemin-là, dans l'Esprit Saint, que nous sommes tous appelés à vivre. C'est pourquoi nous avons proposé, pour guider notre synode, cette prière de l'Atsumus, qui est la prière traditionnelle dans l'Église pour vivre les synodes et les conciles, puisque dans les premiers siècles, il y avait beaucoup de synodes et beaucoup de conciles. Il y en a eu ensuite, donc ce n'est pas nouveau. Et cette prière nous donne les attitudes à vivre pour entrer dans la synodalité. Parce que finalement, ce chemin synodal, et je peux en témoigner aussi, et je pense que tous nous sommes appelés à vivre cela, c'est d'abord et avant tout un chemin de conversion personnelle et communautaire. Même si le processus synodal, qui passe par plusieurs étapes, par une consultation très concrète, dans vos communautés, pour écouter chacun, il va y avoir une synthèse à faire au niveau du diocèse, ensuite au niveau de la conférence épiscopale, ensuite ça va arriver au secrétariat, à la secrétaire générale, on va faire un instrument de travail pour des rencontres continentales auxquelles, donc en Europe, il y aura une rencontre continentale pour toute l'Europe, ensuite un deuxième instrument de travail, et puis l'Assemblée des évêques à Rome en octobre 2023. Mais rappelons que le but du synode n'est pas tant de produire des documents, mais de faire germer des rêves, susciter des prophéties et des visions, faire fleurir des espérances, stimuler la confiance, panser les blessures, tisser des relations, ressusciter une aube d'espérance, apprendre l'un de l'autre et créer un imaginaire positif qui illumine les esprits, réchauffe les cœurs,
redonne des forces aux mains. Ce qui est décrit là, vous voyez, c'est comme un peu les fruits de la synodalité. Et pour terminer, puisque nous allons arriver à la conclusion de cette première partie, pour ensuite laisser place à vos questions, le grand défi de ce synode et de la synodalité, c'est de mettre cela en pratique. Ce n'est pas si difficile de parler du synode et de comprendre ce qu'est la synodalité, marcher ensemble. Mais c'est plus difficile de vraiment le mettre en pratique à tous les niveaux, très concrètement. Donc, la manière dont a été conçu et proposé ce synode, c'est vraiment pour nous entraider tous les uns les autres et comme communauté, comme Église, à apprendre, réapprendre la synodalité. Et donc, la proposition, c'est de relire ce que nous vivons déjà, comment nous vivons déjà cette marche ensemble, à travers cette consultation synodale qui vous est proposée aujourd'hui dans vos diocèses, de faire des exercices de synodalité. Et d'une certaine manière, la méthodologie que nous avons proposée, donc pour vivre le synode, il y a un document préparatoire que je vous invite à lire. Et on a aussi un vademecum, un guide pratique avec des propositions très concrètes d'une manière de nous écouter dans ce style qui est le style de la prière, qui est le style de l'écoute de l'Esprit-Saint. Et très clairement, ce qui est visé à travers ce processus, mais ça ne va pas se faire seulement en un jour, en trois mois ou en deux ans, c'est la conversion synodale de l'Église, puisque c'est la manière d'être l'Église aujourd'hui. Donc, nous sommes dans cette démarche où nous continuons à apprendre. L'enjeu, ce n'est pas seulement de vivre un synode, de faire un synode, mais de devenir synodal. Et en particulier, de renforcer ce dialogue interne entre les pasteurs et les fidèles, entre toute la diversité du peuple de Dieu. Nous avons besoin de renforcer ce partage, ce dialogue et cette écoute mutuelle. Donc, vous voyez que c'est vraiment ce parcours-là qui vous est proposé pour mettre en œuvre ce visage d'Église dans vos paroisses, dans vos communautés religieuses, dans vos mouvements, dans vos diocèses, dans votre Église grecque-catholique. Et les trois mots principaux qui nous ont été donnés par le pape François à l'ouverture du synode pour vivre ce parcours synodal, c'est rencontrer, écouter, discerner. Voilà. Et comme je le disais, la synodalité, c'est un apprentissage par l'expérience. Ça ne suffit pas d'écouter une conférence, de voir une vidéo, de lire des textes, même si c'est très important. Je vous invite à lire le document préparatoire. Je pense qu'il a été traduit en roumain. Mais au-delà de ça, je vous invite surtout, et c'est ce que nous essayons de faire ce soir, à faire une expérience de synodalité, c'est-à-dire d'écoute mutuelle, où nous, quel que soit notre statut, notre responsabilité, notre position dans l'Église, nous sommes ensemble des frères et sœurs en Christ. Je dis parfois, pour résumer ce qu'est la synodalité, c'est passer du je, J-E, au nous, N-O-U-S. La synodalité, c'est une spiritualité du nous, N-O-U-S, ecclésial. C'est vraiment d'abord voir l'Église comme une communauté et comme ce peuple de pèlerins en marche. Voilà ce que je voulais vous dire à ce stade. Il y aurait encore bien d'autres choses à dire, mais je vais m'arrêter là pour que nous ayons vraiment, comme prévu, ce temps de questions-échanges. Merci, Sœur Nathalie. Merci de tout cœur pour votre présentation. Îi mulțumim Sorei Nathalie Becar pentru prezentarea sa și este timpul să îi ofer microfonul pentru moderarea sesiunii de întrebări și răspunsuri domnului conferențiar Alin Tat, dar nu înainte de a mulțumi celor ce asigură munca în culise, domnișoarele Codruța Fernea, Livia Târziu pentru sprijinul tehnic, părintelui Cristian Langa pentru traducere, dar și tuturor colegilor care au contribuit la organizarea și promovarea evenimentului, pe care acum nu i-aș putea enumera fără să uit pe vreun, așa că o să le cer scuze că n-am să-i nominalizez. Alin, ai cuvântul. Mulțumesc. Chère Sœur Nathalie, grand merci au nom des participants.
Je vais parler un peu en français, peut-être aussi un peu en roumain, mais espérons Merci. Que l'Esprit Saint va nous aider à nous comprendre. Et j'espère aussi que le Père Christian comprend mon français. Voilà, je suis professeur à la faculté de théologie, collègue de Simona, et je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Et je commence tout de suite à dire qu'on a deux possibilités, deux modalités de prendre des questions et des interventions, mais on préfère que vous écriviez les questions. Comme ça, on peut voir beaucoup de questions, on peut laisser la parole à notre conférencière de ce soir pour répondre. Mais bien sûr, il y a aussi la possibilité de poser des questions oralement, mais on va privilégier les questions écrites. Et j'ai déjà reçu quelques questions pendant votre présentation. Et si je comprends bien, il y a aussi quelques réponses que vous avez données par avance. Par exemple, quelqu'un demande quel est le rapport entre synodalité et collégialité. Voilà une première question. Merci pour cette question. Alors, quand on parle de synodalité aujourd'hui, dans le contexte du synode, et tel que aussi le pape François le propose, mais aussi tel que c'est réfléchi par de nombreux théologiens, comme je l'ai dit, on parle de la synodalité de l'ensemble du peuple de Dieu. Hein? Donc, la synodalité, c'est un appel et c'est une manière de voir l'Église avec l'ensemble du peuple de Dieu qui inclut donc le fait que tous sont acteurs, protagonistes, sujets et sont appelés à être disciples missionnaires, à porter ensemble la mission de l'Église. Donc ça, c'est la dimension de la synodalité. La dimension de la collégialité qui vient, vous savez que la question de la collégialité, elle a été très débattue à Vatican II et la manière dont on en parle aujourd'hui, on parle de la collégialité des évêques. Comme j'ai essayé de le dire, à Vatican I, on a mis l'accent sur vraiment la primauté du pape dans une vision de l'Église très juridique et hiérarchique. Et on a redécouvert à Vatican II, mais ça s'est fait à travers beaucoup de débats, qu'on ne pouvait pas penser le pape tout seul. Il est amené à vivre avec l'ensemble de tous les évêques une collégialité basée, enracinée sur l'expérience de la collégialité du collège des apôtres, hein, des premiers apôtres. Voilà, donc ce que j'ai voulu essayer de dire, vous voyez, c'est qu'aujourd'hui, il y a une compréhension de la primauté, c'est-à-dire de ce qu'est le ministère du pape, qui ne peut se vivre sans la collégialité, sans un lien avec l'ensemble des évêques. Aujourd'hui, on comprend que cette primauté et que le ministère des évêques, qu'ils ont à vivre chacun personnellement dans leur diocèse, mais jamais tout seul. Un évêque seul n'existe pas. Un évêque est d'emblée relié à la collégialité de tous les évêques. On comprend aujourd'hui davantage que cette primauté, cette collégialité ne peut pas se vivre sans un lien étroit avec l'ensemble du peuple de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, le pasteur, l'évêque ou le pape n'existe pas sans les fidèles. Derrière la vision de la synodalité, en fait, il y a la vision, si vous voulez, d'une anthropologie relationnelle, la vision d'une interdépendance, d'une réciprocité. Le pape François le dit à sa manière, à travers ses images, le pasteur doit respirer au milieu de son peuple, avec ses brebis, il doit sentir l'odeur de ses brebis. Donc vous voyez que quand on parle de synodalité, c'est une manière de voir l'Église dans une vision intégrale qui intègre l'ensemble de la diversité du peuple de Dieu. Les évêques et le pape, les prêtres, font partie du peuple de Dieu et ils doivent exercer leur ministère comme étant membres et à l'intérieur du peuple de Dieu. Certes, ils ont un ministère particulier comme signe de l'unité au service de la communion, mais ils ne sont pas séparés de la communauté. Or, on a hérité
pendant 1500 ans, en gros, d'une manière de voir l'Église qui a accentué la séparation entre les clercs et le reste des fidèles, avec parfois une manière de voir, il y aurait ceux qui seraient les enseignants, les prêtres et les évêques, et les baptisés n'auraient qu'un rôle passif d'écouter des enseignements. Ce que j'ai essayé de vous partager et de vous dire, qui vient de Vatican II et de Lumen Gentium, en particulier dans le numéro 12, vous voyez le grand choix de Vatican II, des pères conciliaires, ça a été de mettre comme chapitre 2 de Lumen Gentium le chapitre sur le peuple de Dieu, avant de mettre le chapitre 3 sur la hiérarchie de l'Église. Ce qui n'était pas du tout dans le premier schéma. Ça a été un changement, une prise de conscience. Et ça veut dire qu'il faut lire le chapitre 3 sur la hiérarchie à travers les lentilles du chapitre 2 sur le peuple de Dieu. Voilà. Et donc, c'est une invitation pour nous aujourd'hui, vous voyez, à vraiment pour tous ceux qui ont une responsabilité, les ministres, les prêtres, les évêques, mais aussi ceux qui ont une responsabilité, à vivre ce service comme un service de l'ensemble du peuple de Dieu, en étant soi-même, en étant à l'intérieur de la communauté, et non pas sur un piédestal en haut ou ailleurs. Voilà, et c'est une invitation aussi à exercer et à décider en Église, après cette respiration commune, ce discernement en commun, puisque la synodalité, c'est une manière de mettre en œuvre, et je terminerai par là, ce principe des débuts de l'Église, ce qui concerne tous, doit être décidé par tous. D'une certaine manière, dans l'Église synodale, personne ne doit décider tout seul. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas, in fine, le rôle des évêques ou du pasteur d'acter une décision. Mais la synodalité, ça va avec une culture du discernement en commun qui doit développer une culture du consensus. Merci. Ce soir, vous avez beaucoup de travail parce que je ne sais pas si vous voyez à votre droite les questions. Il y a beaucoup de questions déjà. Moi, je ne peux pas faire une sélection. Il y a quelques-unes en français déjà. Je lis. Existe-t-il des écueils, des risques ou des points difficiles dans ce processus synodal? Peut-être vous pouvez nous parler un peu de votre expérience. Vous voyez un peu globalement et nous voyons globalement et ça peut nous aider. Puis, oui. Je vous lis peut-être encore une ou deux questions. Peut-être vous répondez une par une ou ensemble. Pourquoi l'accent est mis sur l'écoute et pas sur le dialogue? Puis, voilà, j'ai un commentaire que j'ai reçu. Le mot synode, synodalité, comme vous l'avez dit, est un mot grec. Et c'est intéressant qu'on n'a pas employé le mot concile, on a vu pourquoi. Mais comme c'est un mot grec, ça renvoie aux racines, c'est-à-dire au christianisme de langue grecque, et ça a une portée œcuménique, parce que le pape choisit un mot grec, la synodalité, pour définir l'Église, et ça c'est très intéressant, et surtout pour nous, grecs catholiques. Et je veux saluer aussi tous les participants grecs catholiques et aussi catholiques latins ici. Peut-être qu'il y a quelques orthodoxes, je ne sais pas. Mais voilà, on est déjà ensemble dans ce processus de synodalité. Mais je vous en prie, si vous voulez répondre aux questions. Oui, merci beaucoup, parce que c'est vraiment des questions très intéressantes. Je vous remercie vraiment pour ces belles questions. Je vais répondre à la première. Comme vous le voyez, vraiment l'enjeu de ce synode, c'est un processus de transformation, de conversion, personnel et communautaire. C'est un appel à changer, non pas changer pour changer, mais un appel pour l'Église et pour nous à changer pour être toujours plus fidèle à la mission de l'Église depuis l'origine et pour être toujours plus fidèle à la proclamation de l'Évangile, mais dans le contexte d'aujourd'hui qui n'est plus le même qu'il y a 50 ans, 100 ans ou 3 siècles. Et donc le but du synode, les fruits du synode,
ils sont pour que l'Église soit toujours plus missionnaire, soit plus en communion, parce qu'il n'y a pas de mission sans communion, et pour servir la société, pour servir le monde. In fine, le but du synode, il n'est pas simplement pour être mieux entre nous en Église. Il est vraiment, comme je le disais, c'est toujours une synodalité missionnaire qui doit porter du fruit pour nos sociétés, pour le monde. Alors, comme vous voyez que c'est un appel à changer, hein, mais en discernant bien ce qu'il faut changer, ce n'est pas changer pour changer, tout processus de changement, on le sait dans tous les types d'organisations, ça provoque des peurs, des résistances, ce n'est pas facile. Vous voyez, je réfléchissais ce matin, j'étais sur une autre conférence avec, sur la question des femmes dans l'Église synodale. Bref, mais je réfléchissais à notre expérience et à ce que j'entends, ce que je vois. C'est normal, c'est un chemin qui n'est pas si facile. Parce que tout chemin de conversion, de transformation, il nous fait traverser certaines peurs. Voilà. Donc, ce que je vois et les écueils à éviter qu'on repère, vous voyez, c'est il y a des peurs et c'est normal. Il y a des peurs de la part des évêques, de la part des prêtres, de la part des laïcs, de la part des femmes. Pour que nous. Comme je le disais, l'enjeu majeur, c'est vraiment que tous puissent participer. Mais selon les cultures, les églises locales, pour certains, ce n'est pas du tout si facile d'oser parler. Pour vraiment vivre le synode et la synodalité, il faut oser parler avec liberté, avec discernement. Il faut oser écouter, mais il faut aussi le courage de parler. Et ce n'est pas si simple. Certains n'ont pas eu du tout l'habitude, dans certaines cultures, il n'y a que le curé qui parle et qui décide de tout. Dans d'autres cultures, c'est très différent. Peut-être la plus grande difficulté ou le plus grand écueil, c'est, et le pape François insiste beaucoup là-dessus, c'est de penser que le synode serait comme un parlement, une affaire de majorité, de minorité, comme un parti politique, comme un parlement. Non, c'est un processus spirituel qui demande l'écoute et le discernement. Et ce n'est pas si simple d'entrer vraiment dans cette dynamique-là, parce que nous n'avons pas tous été formés à ce qu'est vraiment le discernement et l'écoute de l'Esprit-Saint, parce que ce n'est pas si facile d'écouter vraiment. Et je réponds à la deuxième question. On a mis effectivement un accent très fort sur l'enjeu d'écouter tout le monde, en particulier les plus petits, les plus pauvres, ceux qui n'ont pas de voix, les plus marginalisés. Mais derrière, c'est pas opposé, ça va ensemble avec l'enjeu du dialogue. Hein, et je l'ai rappelé dans une des diapos, le pape François dit « Ce dont nous avons le plus besoin dans l'Église aujourd'hui, c'est de renforcer le dialogue entre nous, en particulier entre les pasteurs et les fidèles, mais aussi… on le voit dans beaucoup d'églises locales, l'église est très diverse, il y a des visions très différentes. Ce n'est pas si facile de se comprendre sur tout un tas de sujets. On est face à une forme de pluralité. Et donc, c'est comment, au lieu d'avoir simplement des idées toutes faites sur ce que pensent les autres, on entre, comme ce soir, dans un vrai dialogue. Et je terminerai par la dernière question, qui souligne l'enjeu très très important de la dimension œcuménique du synode. En fait, synodos, c'est le mot grec qui veut dire exactement la même chose que le mot latin concilium. Donc, à l'origine, on ne faisait pas tellement de différence entre synodos et concilium. L'un était le mot latin et l'autre le mot grec. Mais il est clair qu'aujourd'hui, et d'ailleurs récemment, le cardinal Grec, secrétaire général du synode, a écrit une lettre avec le cardinal préfet, le cardinal Cor, préfet du dicastère pour l'unité des chrétiens, pour souligner l'enjeu de la dimension œcuménique du synode. Ça vient déjà depuis Jean-Paul II, et les papes suivants l'ont rappelé. Pour le chemin de travail et avancer dans ce chemin œcuménique,
pour aller vers une plus grande unité des chrétiens entre différentes églises. Nous avons besoin de nous écouter les uns les autres, de comprendre nos expériences. Les autres églises ont des expériences de synodalité qui peuvent nous inspirer. Et en même temps, on voit déjà dans les liens œcuméniques que nous vivons, aussi ici à Rome, que les autres églises anglicanes, orthodoxes, sont aussi très intéressées de voir comment nous vivons ce synode. On est dans l'approche qu'on appelle de l'œcuménisme réceptif, où on peut recevoir les uns des autres. Donc, je vous encourage vraiment, comme on l'a fait dans le Vademecum et récemment avec cette lettre, à entrer dans cette écoute et ce dialogue œcuménique à travers ce parcours synodal qui nous invite aussi à écouter l'expérience synodale des autres églises. Comme je le disais, la question fondamentale qui est posée pour la consultation synodale, c'est comment nous vivons déjà ce marché ensemble, cette expérience de synodalité. On en a tous déjà une forme d'expérience. Donc, on est invité à relire nos expériences de synodalité, voir ce qui est bon, ce qui est plus difficile. Et la deuxième question qui va avec, c'est à quel pas de plus l'Esprit-Saint nous appelle à vivre. Et pour décliner cette question fondamentale, on a décliné 10 thèmes, peut-être je vous les montrerai tout à l'heure à l'écran, comme 10 manières de voir la synodalité en pratique. Et on a souligné l'enjeu aussi de la manière de dialoguer avec les autres églises. Il y a encore beaucoup de questions, bien sûr. Il faut faire un choix. Et bien sûr que vous êtes libre à choisir et à répondre à ce que vous voulez. Je ne veux pas dire qu'il y a des questions plus difficiles ou plus délicates que d'autres, mais vraiment, moi, je suis très content qu'il y ait tellement de réactions. Je vous lis ce qui est écrit en roumain. Merci pour votre introduction. Quelle est l'actualité de cette rupture entre les pasteurs et le peuple si on parle aujourd'hui d'une urgence de la synodalité? Parce que je ne vois pas, je ne perçois pas dans ma situation particulière cette faille. Puis une autre question. À la fin des années du synode, on parle d'un document que les évêques vont sortir. Qu'est-ce qu'on attend de ce document? Une actualisation de l'Église, une nouvelle idée pour les nouvelles préoccupations de notre temps? Quel rôle peuvent avoir les laïcs dans la rédaction de ce document, si je comprends bien? Techniquement parlant, il y a des pas à faire. Est-ce qu'il y a des pas obligatoires dans ce processus de synodalité, ou c'est plutôt libre à chaque diocèse peut choisir comment faire, comment penser? Puis une autre question. Il y a aussi une question en français, ça c'est plus facile pour moi. En roumain, qu'est-ce qu'on entend par imaginaire positif? Une autre question. En tenant compte que vous avez mis un accent spécial sur la communication vive et originale des idées du synode, je parle d'une présentation animée, est-ce que vous avez conçu un instrument de dialogue sur l'Internet, genre Reddit, pour mieux permettre des discussions en temps réel entre les croyants, entre les fidèles, des diverses communautés du monde? Voilà, je m'arrête parce qu'il y a encore, mais il faut se rappeler les questions. OK. Merci beaucoup pour la richesse de cette question, et merci beaucoup pour votre participation active à travers ces questions et à travers le chat. Voilà, on sent que vous êtes, et c'est ça l'esprit synodal, c'est que tous puissent être acteurs. Je vais demander si c'est possible que l'animateur puisse réactiver mon partage d'écran, parce que je voudrais remettre une diapositive si cela est possible. Mais pour l'instant, je ne peux plus faire le partage d'écran. Je vais commencer par une des dernières questions. Ce que je voudrais souligner,
Voilà, ça fait le lien avec la première question qui disait, mais moi, je ne vois pas dans ma communauté cette séparation entre les pasteurs et le peuple. Ce que je veux dire, c'est que, vous voyez, ce qui est très beau à travers ce synode, c'est que c'est pour le monde entier, l'Église entière est convoquée en synode. Nous sommes tous appelés à vivre un chemin qui nous met en communion, quel que soit le lieu où nous sommes, mais en même temps, la vision proposée à travers ce synode, c'est vraiment une vision où, et va avec la synodalité, la dimension de l'inculturation et la vision que l'Église, dans son ensemble, l'Église universelle est une Église des Églises locales. Et donc, ce synode, il a pour but de porter du fruit au niveau local, en Roumanie. Voilà. Et la situation de l'Église en Roumanie, que ce soit l'Église latine, grecque, catholique, elle est différente de l'Église en Chine, de l'Église au Brésil ou de l'Église en Afrique du Sud. Donc, vous voyez bien, et ce dont je suis témoin, parce que c'est une des grandes joies et grâces de cette mission que j'ai reçue et de cette aventure à Rome, c'est que tous les jours, je suis en lien avec la diversité des églises dans le monde entier. On a fait, là, tout ce dernier mois, des rencontres Zoom avec toutes les conférences épiscopales du monde, par langue, par horaire. Et je suis impressionnée de voir la créativité et la manière dont, à partir d'un document commun, parce qu'il a bien fallu faire un document au niveau universel, mais je veux dire, derrière, il faut faire des adaptations, des traductions locales et des adaptations dans chaque contexte. Donc, on ne peut pas vivre le synode de la même manière exactement partout. Et donc, notre vision au secrétariat général du synode, et c'est là que je vais repartager mon écran, c'est vraiment que chaque église locale, chaque diocèse s'approprie et voit comment mettre en œuvre ce synode, ce qui est le plus adapté, et comment, comme je vous le disais, à partir de cette question fondamentale, qui est là, comment choisir ensuite parmi parmi les 10 thèmes que nous avons proposés, qui sont ici, qui touchent comme à 10 thèmes liés, comme je disais, 10 manières de regarder concrètement comment mettre en œuvre la synodalité. Donc, c'est regarder avec qui nous cheminons, quels sont nos compagnons de voyage, un deuxième thème autour de l'écoute, un troisième thème autour de prendre la parole. Et dans certains pays, peut-être chez vous, la question, elle n'est pas tant d'apprendre à écouter que de prendre davantage la parole. Ça dépend, je ne peux pas le dire, je ne connais pas assez la situation. La question de la célébration, comment aussi on a une liturgie qui est dans cette vision synodale, qui implique la participation. C'est aussi Vatican II qui invite à une liturgie avec tous, dans laquelle tous participent. La synodalité, elle appelle à être co-responsable dans la mission. Elle va avec une manière de dialoguer dans l'Église et dans la société. Donc, vous voyez qu'il y a un thème sur le dialogue, un thème, le thème 7, une manière de dialoguer avec les chrétiens des autres confessions, le thème 8, autorité et participation, le thème 9, discerner et décider, et le thème 10, se former à la synodalité. Et on invite chaque diocèse, ou chaque communauté, vous voyez, à choisir peut-être 1, 2, 3 ou 4 thèmes selon vos réalités. Donc c'est vraiment, voilà, il y a une impulsion globale des documents qui sont faits pour tous, mais qui ensuite doivent être traduits, adaptés, mis en œuvre d'une manière adaptée à votre réalité et inculturée, parce que les problématiques ne sont pas les mêmes selon les pays. Et c'est très beau, il se trouve que je viens de publier un article en français, pour ceux qui lisent, peut-être que ça pourrait intéresser, sur synodalité et culture, parce qu'il n'y a pas une seule manière de vivre la synodalité. C'est toujours une manière inculturée, en situation, c'est l'art de l'Esprit-Saint
Et donc, on pourrait plutôt comparer la synodalité à quelque chose d'artistique, à un art. Ce n'est pas une technique. Et donc, c'est à vous, localement, de discerner comment vivre et mettre en œuvre cette synodalité à partir du point de départ. C'est pourquoi la proposition très concrète que nous faisons, c'est que toutes les conférences épiscopales, toutes les églises aussi orientales, tous les diocèses sont invités à nommer un responsable, mais plutôt une équipe synodale pour animer la démarche synodale dans les paroisses, dans les groupes que vous vivez. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a déjà cette équipe qui est en place pour vous. Peut-être vous pourrez nous en dire un mot. On a invité aussi à ce que ça soit une équipe avec la diversité. Mais voilà, c'est vraiment à vous aussi de discerner comment vivre et mettre en œuvre ce synode pour qu'il porte du fruit aussi pour votre Église. Et en même temps, puisque notamment comme Église gréco-catholique, vous avez une expérience à partager avec l'ensemble de l'Église latine. Et donc, dans le rapport et la synthèse, c'est aussi comment vous allez partager les fruits de votre expérience synodale qui pourra enrichir l'ensemble de l'Église. Une Église synodale est une Église où nous avons tous à apprendre les uns des autres et où chaque Église locale peut aussi apprendre des autres Églises, mais aussi chaque Église locale doit partager la richesse de ce que l'Esprit-Saint fait dans son Église. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Nous ne voulons pas vous fatiguer trop. Donc, petit à petit, on va s'approcher de la fin. Mais je vais quand même lire encore 2-3 questions, juste pour voir, pour ne pas laisser les autres, ceux qui ont posé des questions, pour ne pas les négliger, parce que ça, c'est pas dans l'esprit de la synodalité. Il faut écouter tout le monde. Donc voilà, je vais lire. Est-ce que la synodalité nous rendra plus missionnaires, plus désireux de partager la richesse de l'Évangile à d'autres? Une autre question. Dans le monde entier, le processus de la synodalité a commencé. Et dans les différentes parties du monde, il y aura un développement différent. La vitesse du processus, les réponses qui viendront, auront-elles un caractère général valable pour tout le monde avec une applicabilité universelle, ou les réponses qui viendront seront-elles appliquées localement en fonction des caractéristiques du lieu? Voilà. Puis il y a aussi une petite question, non pas la différence, mais le rapport entre synodalité et fraternité. Et voilà, je m'arrête ici. Bien sûr, si vous voulez poser encore des questions, vous pouvez les écrire dans le chat, mais je pense qu'il faut un peu aussi penser à notre conférencière, penser au Père Christian qui traduit et qui vous prie de parler plus lentement. Oui, désolée, j'essaye de ralentir, excusez-moi. Je vais répondre à la première question, c'est très très simple. J'ai essayé de dire ça depuis le début. Oui. Le but de la synodalité, c'est que nous soyons toujours plus missionnaires. Comme je l'ai dit, c'est toujours une synodalité missionnaire qui doit nous permettre d'annoncer avec un nouvel élan et un nouvel élan missionnaire, d'annoncer l'Évangile dans le monde d'aujourd'hui. Donc ça, c'est très clair que le but de ce synode et de cette synodalité, c'est de nous rendre plus missionnaires. Parce que ce que nous avons compris, en particulier à travers le synode des jeunes, et moi c'est aussi toute mon expérience en pastoral des jeunes, c'est la communion qui est missionnaire. C'est jamais, et je reviens à la question de tout à l'heure, peut-être certains disaient, je ne vois pas trop pourquoi il faudrait renforcer le dialogue entre les prêtres et les laïcs, mais on a hérité, peut-être pas chez vous, mais dans beaucoup d'endroits, dans l'Église, en particulier en Europe, on a hérité d'une manière beaucoup trop personnelle d'exercer l'autorité ou de faire la pastorale. Voilà, moi je l'ai vu. Or, c'est toujours beaucoup plus fructueux, plus riche, on est plus missionnaire quand on est une équipe missionnaire. Comme vous le disiez, moi je l'ai vraiment vu avec les jeunes. Si on a
une religieuse toute seule avec un groupe de jeunes, un prêtre tout seul dans la durée avec un groupe de jeunes, ce n'est pas aussi riche que d'avoir une équipe d'animation avec la diversité des vocations, hommes, femmes, religieux, laïcs, prêtres. Mais ce style de travail en équipe pour la mission n'est pas, c'est pas ce qu'on voit partout dans le monde. La synodalité, elle nous invite, comme je le disais, à être dans cette co-responsabilité pour la mission. Donc, les laïcs ont un rôle très important pour aussi participer à la mission et continuer à se former et à prendre au sérieux leur baptême pour être ces disciples missionnaires aux côtés et avec les prêtres, les évêques et les consacrés. Mais on a hérité dans notre imaginaire, pendant tout un tas de siècles, on pensait que les prêtres, les évêques et les consacrés étaient au-dessus des laïcs. Non, ce que nous dit Vatican II aujourd'hui, très clairement, c'est que nous avons une égale dignité de baptisés. Mais on est encore souvent formaté dans nos têtes avec cette image pyramidale que certains seraient au-dessus des autres. Non, nous sommes tous des baptisés frères et sœurs en Christ. Alors, je réponds à la dernière question qui est très belle. C'est très clair que la synodalité va avec la fraternité. Voilà. Le style de l'Église synodale, c'est l'Église famille, c'est une Église de frères et sœurs. Et pour moi et pour d'autres, c'est très clair que pour, on pourrait dire, pour la mission de l'Église aujourd'hui, nous avons Laudato Si et Fratelli Tutti qui sont un peu comme un GPS pour la mission. Mais pour mettre en œuvre Laudato Si et Fratelli Tutti, qui est un appel à la fraternité et l'amitié sociale, il n'y a pas d'autre moyen que d'être cette Église synodale. C'est complètement articulé. Le style de l'Église qui bâtit la fraternité pour le monde, on doit d'abord la vivre aussi entre nous en Église. Donc, il y a un lien vraiment très, très intense et très étroit entre synodalité et fraternité. C'est très clair. Voilà. Et là, je n'ai pas eu le temps de le développer, mais je l'ai fait dans d'autres présentations en citant, vous trouvez dans Fratelli Tutti et dans Laudato Si les principes pour vivre l'Église synodale. In fine, c'est les principes, c'est une vision de l'Église, comme je le disais, relationnelle, où on n'est pas dans une vision de compétition ou de domination avec certains qui seraient au-dessus des autres. On est dans la vision d'une Église relationnelle où tous sont appelés à vivre la réciprocité, une mutualité, une communion, une fraternité. Parce que, comme je le disais, les pasteurs n'existent pas sans les fidèles n'existent pas sans les pasteurs, les consacrés n'existent pas sans le reste de la communauté. Nous sommes interdépendants, appelés à vivre ensemble cette fraternité, cette amitié en Christ, ce style de la réciprocité, de l'écoute mutuelle. Et donc, l'Église synodale, elle est basée sur cette culture de l'écoute, du dialogue et de la relation. C'est vraiment très clair. Et dernier point, ça sera ma conclusion, c'est évident que, vous voyez, on a hérité d'une histoire aussi où on a parfois pensé l'Église, à travers l'héritage gréco-romain, la manière de vivre l'Église en Europe, on a exporté dans les autres pays de mission, une manière très européenne d'être l'Église. Or, l'Église, elle est aussi diverse en tout ça. C'est pour ça qu'il est très bon aussi, mais tout le monde n'a pas cette conscience qu'il n'y a pas seulement l'Église latine, il y a aussi toute la diversité des Églises orientales, comme l'Église gréco-catholique. Pour ma part, j'ai eu la chance de la découvrir davantage au Liban, parce que j'ai passé un an au Liban, mais je l'ai aussi rencontré dans différents pays comme la Roumanie. C'est une richesse. Nous avons à cheminer ensemble dans cette diversité. Donc, il est sûr que c'est un nouveau chemin pour l'Église de penser l'unité et la communion, non pas comme une uniformité, mais comme le logo du synode le montre, avec une diversité de couleurs,
selon le modèle que le pape François nous donne, qui est celui du polyèdre, voilà, où chacun, ça ne nous empêche pas d'être en communion, ce n'est pas être tout le monde pareil, la même couleur. Voilà. Et donc, on va trouver, mais on est en apprentissage aussi de ça, ce qui nous est vraiment, le fondamental qui nous est commun, et comment, sur certains points, voilà, de même que la liturgie gréco-catholique n'est pas tout à fait la même que la liturgie latine, mais ça ne nous empêche pas d'être en communion. Donc, c'est ce modèle-là qu'on doit trouver aussi sur un certain nombre de sujets pour respecter davantage les cultures locales. Et comme je le disais, la synodalité, elle va avec cette dynamique d'inculturation qui nous fait vivre l'Église en communion, mais dans un respect d'une forme de diversité. Voilà. Mais ça, c'est un chemin de discernement qui n'est pas tracé d'avance. La synodalité est un chemin ouvert et nous sommes appelés à discerner ensemble ces chemins-là. Chère sœur Nathalie, un grand merci de la part de tous. Je sais qu'il y a encore des questions. Je vois, par exemple, une main élevée du père Gavre, mais... Mon rôle de modérateur est aussi de modérer un peu et il faut maintenant s'arrêter parce que, voilà, il faut garder aussi la modération, tout le monde, pas seulement le modérateur. Et voilà, je vais donner la parole à notre évêque, mais avant cela, nous rappelons que demain, le 17 décembre, c'est l'anniversaire du pape François. Oui. Et aussi, c'est l'anniversaire de notre collègue Simona Zeta, donc on va faire une petite prière à la fin pour tous les deux et pour tout le monde. Et je vous remercie encore une fois au nom de tous. Et voilà, Monseigneur Claudio, vous avez la parole. Merci de tout cœur, Sœur Nathalie, de votre temps, de votre disponibilité. Avec votre permission, je parlerai maintenant en roumain. Oui. Pour stresser une dernière fois le Père Christian et l'obliger à faire la traduction au contraire. Vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru prezență tuturor. A fost într-adevăr o experiență de sinodalitate și doar văzând chipurile voastre și numele voastre, nu pot decât să mulțumesc lui Dumnezeu pentru bogăția existentă în episcopia noastră de Cluj-Gherla. Aș vrea în mod cu totul special să mulțumesc universității și facultății greco-catolice, celor care ne-au ajutat să punem în act această conferință online. Și aș vrea să închei, dacă am început cu o rugăciune către Spiritul Sfânt, aș vrea să încheiem cu o rugăciune către cea care este maestra noastră în maniera de a asculta Spiritul Sfânt. O rugăciune adresată Maicii Sfinte, celei care a fost și este total transparentă în fața Spiritului Sfânt, pentru ca să ne învețe și pe noi, pe fiecare dintre noi și pe noi ca episcopie, ca biserică, să devenim și noi la rândul nostru transparenți, să nu opunem nimic din viața noastră, din existența noastră, inspirațiilor Spiritului Sfânt. Și așa cum spunea domnul conferențiar Alintat, să ne rugăm cu toți împreună în acest moment pentru Sfântul Părinte Papa Francisc, pentru prietena noastră și colega noastră Simona Zetea și pentru întreaga biserică. Rugându-ne pentru Sfântul Părinte, pentru cei de lângă noi, ne rugăm ca planul lui Dumnezeu să se împlinească cu fiecare dintre noi și chipurile noastre formează cu adevărat un mozaic înscriindu-se în chipul luminos al Mântuitorului Hristos. Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de dar, Marie, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău, că ai născut pe Hristos, Mântuitorul sufletelor noastre. Preasfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ora morții noastre. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăudați să fie Iisus, o seară și o noapte binecuvântată tuturor. În veci, amin. Mulțumim. La fel. Amin, asemenea. Amin.
Merci beaucoup, sœur Nathalie. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merveilleux.